Voilà, je fais l'appel à la justice guinéenne. C'est le cas de Ousmane Niello. C'est le cas de Ousmane Niello. Donc la famille, il faut que vous fassiez maximum de partage. Maximum de partage jusqu'à la justice guinéenne. Jusqu'à la justice guinéenne. Parce que aujourd'hui, un jeune se lève un beau matin, insulte un aîné, icône de la nation. Après, la justice dit que ouais, il faut demander pardon. Après, c'est fini, on va te libérer. La justice guinéenne, si c'est vous qui dites à la grande sœur de Ousmane Niello de demander pardon, ou bien Ousmane Niello de demander pardon après, l'affaire est clos. Merci à vous. Merci, le petit n'a qu'à demander pardon, vous allez le libérer. Quand vous allez le libérer, nous autres là, on va insulter les aînés, les élites dans le pays là. On va insulter les aînés, les élites dans le pays. Après nous, arrivés à la prison, on demande pardon et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Personne n'est déçu de la loi. Personne n'est déçu de la loi. La justice doit faire son boulot. La justice doit faire son boulot. Si la justice, vous faites la négociation que Ousmane Niello doit demander pardon au Guinéens ou bien doit demander pardon à Elhadji Biro, nous autres, soyons assurés et on vous garantit. On vous garantit. Nous autres, on va insulter les aînés dans le pays là. On va insulter les aînés dans le pays là. Parce que le cas de Ousmane, c'est pas un cas d'injure publique, non. C'est pas l'injure publique. Il y a ça. Mais pour son cas, de fait que un petit de 25 ans ou bien 26 ans peuvent insulter un vieillard qui a 100 ans. Un vieillard qui a 100 ans. Et puis vous dites que oui, le petit n'a qu'à aller demander pardon. Ou bien sa famille n'a qu'à aller demander pardon. Où ? Pardonner où ? Il n'y a pas de pardon ici. La justice doit faire son boulot. C'est fini. C'est tout ce que nous, les Guinéens, les enfants, les fils dignes de ce pays-là, on demande que la justice soit faite. Le pardon de la famille de Ousmane Niello, on n'a pas contre. Ça n'engage que eux. Parce que j'ai vu la vidéo de sa sœur tout de suite là, en train de pleurer, elle est en train de pleurer, en train de parler la langue malinké. Je vous ai dit ça l'autre fois, ça fait la semaine passée, j'ai fait une vidéo uniquement pour ça. Soi-disant la sœur de Ousmane Niello, vous pouvez parler la langue malinké, ce n'est pas interdit. Normalement, un bon Guinéen doit parler la langue peul, malinké, susu et forestier, c'est normal. Mais vous, quand vous parlez la langue malinké, c'est pour remonter les malinkés en colère contre les peuls, contre les autres ethnies. Il faut scienser, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Arrêtez d'appeler les malinkés, oui, c'est à cause des malinkés. Non, on est sorti dans ça, on n'est plus dans ça. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. On est sorti dans ça, le problème d'ethnique là. Moi, je suis venu en Guinée, tout est beau et agréable ici. J'ai trouvé les ethnies, tout le monde dialogue. C'est que, birin berefie quoi. Birin. J'ai vu l'harmonie ici en Guinée. J'ai vu quelque chose ici en Guinée que je n'ai jamais vu depuis à mon enfance. Jamais vu. Donc si vous faites la vidéo soi-disant, ouais, c'est à cause des malinkés, oui, les malinkés, vous doivent vous réveiller, vous doivent vous lever, c'est à cause de vous. Non, vous faites que aggraver la situation de votre petit frère. Vous faites que aggraver la situation de votre frère, votre petit frère. Si vous voulez demander pardon, il faut demander tout simplement pardon. Sortez le débat d'ethnique là. Sortez le débat d'ethnique là. Nous, on n'a pas besoin de débat d'ethnique là maintenant. C'est fini. Là où moi je suis, je vis avec les malinkés ici. Tous mes voisins sont des malinkés. Ils sont tous des malinkés. Mais on s'aime, on mange ensemble, on fait tout ensemble ici. Donc il faut sortir le débat d'ethnique là, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et laissez la justice faire son travail. La justice, si c'est vous qui demandez à la grande sœur de Ousmane Niello de demander pardon de puisque vous lui mettre
à l'écart ou bien de son quoi liberty, you know, it's not my problem. Never. This is our problem. It's not problem for the Guinea country. C'est pas notre problème ça. Mais si vous poussez les gens qui ont insulté les élites, les aînés du pays, de demander pardon, Waré Rabolo, vous allez le libérer. Il faut les libérer. Il faut les libérer. Nous autres aussi, on va le faire ici dans le pays. Ça, c'est pas secret. Insulter un élite ou bien un néné dans un pays, dans le pays là, c'est pas secret, c'est pas sorcier. Nous autres aussi, on va insulter un élite ou bien un aîné de ce pays-là. Après arriver à la prison, après une semaine, deux semaines, blat, clat, nave la justice, je reconnais mon tort et je demande à toutes mes excuses, à mes pardons, etc., etc. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le petit, il est là-bas parce qu'il ne doit pas insulter un vieillard qui a 100 ans. Et là, Jibiro a 100 ans. Et puis surtout, quelqu'un, un aîné, icône de ce pays-là. Quelqu'un qui a été le premier président de l'Assemblée guinéenne. On doit le respecter. Blat, clat. Donc si la justice dit à le petit, ouais, il faut demander pardon. Le petit, viens demander pardon. Nous, on ne parle pas. La justice, s'il vous plaît, la famille, maximum de partage. Il faut que vous partagez cette vidéo-là. Alors que justice guinéenne a une vidéo tout. Les avocats, vous les avocats internationaux ou bien nationaux, whatever and whatever, I don't know. Il faut demander pardon. Il faut dire à la grande sœur de Ousmane Yelo de demander pardon. Vous allez voir la colère de la jeunesse ici en Guinée. Vous allez voir la colère de la jeunesse guinéenne ici. Voilà. Nous autres aussi, on va insulter matin, midi, soir. Parce que je vois les vidéos ici qui disent que oui, ouais, c'est vous les insulteurs du réseau social. Hé, moi j'ai bien fait. Moi j'ai insulté ici sur le réseau social. Mais moi j'ai pas insulté un individu. Moi j'ai insulté ceux qui m'ont insulté. Et j'ai insulté ceux qui ont insulté ma communauté. J'ai insulté et ceux qui ont insulté notre Kunti Gbe qui est hélas Serouna. Si c'est à cause de ça, Black Clad, ou avec la mafia que Wanga c'est la prison, monsieur, whatever. I'm ready for the prison, going, sleeping, for relaxing in the prison. Prison is my second home. I don't fret for this. You know? Donc, la justice guinéenne, faites votre travail comme ça se doit. Arrêtez de dire que oui, la famille Nyelo doit demander pardon. Nous, on n'a pas besoin de leur pardon. Ils n'ont qu'à garder leur pardon là-bas. Nous, on n'a pas besoin de leur pardon. Nous, on a alerté ici. On a dit à la famille Nyelo ici, tôt ou tard, Ousmane Nyelo, il va partir en prison. Même si c'est un jour, il va faire en prison. Le petit va partir en prison. Et il est parti en prison. C'est ça. C'est ça qu'on appelle un messager. C'est ça qu'on appelle un combattant. Il faut combattre pour le peuple. Je m'en fous de l'intérêt personnel. L'intérêt personnel, à la fille, madame, manquerait, n'a me récendé, n'a pas intérêt personnel, c'est toi, elle n'a pas intérêt personnel, fuma. La Guinée a fait ma sébrimbe. N'tana, la Guinée fine. Moi, je prends la Guinée. Je suis Guinéen de père et mère. Donc, sortez dans l'affaire d'ethnique, là, soi-disant, ouais, telle personne, ouais, les Malinké, réveillez-vous, mon âme Malinké rapporte. Non, RPG, ce n'est pas un parti Malinké, c'est un parti guinéen. RPG, c'est un parti guinéen. Ça concerne à tous les Guinéens. Regarde dans l'RPG, il y a les Soussous là-bas, il y a les Malinké, il y a les Peuls, il y a les Forestiers. Idem que les autres partis aussi. Il y a tous les ethnies. Donc, sortez dans ça. Sortez dans ça. Nous, on a plus besoin de ça. Soit disant, ouais, telle personne est Peul, telle personne est Malinké, telle personne est Forestier, telle personne est Soussou. Non, 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 non. Moi, ma fala, Guinée, c'est Birin, Tofam Bariabou, c'est Birin. C'est Birin. C'est Birin. Alpha Condé, 10 ans. La barre Mengaya, 10 ans. Amounor, il y a vu. Donc que regna ti soto de mumbe Macky Sall avion nan dangi fe na ki Macky Sall avion 10 ans elle va conde mono avion ke ya ti de mumbe. Voilà la famille. Donc il faut sortir dans ça le problème d'ethnique là, hein. Ici
Quelqu'un qui dit qu'il est Soussou, lui, il n'est pas guinéen. Quelqu'un qui dit qu'il est Malinké, il n'est pas guinéen. Quelqu'un qui dit qu'il est Peul, il n'est pas guinéen. Quelqu'un qui dit qu'il est forestier, il n'est pas guinéen. Nous, on est simplement des Guinéens, tout simplement des Guinéens, des bonnes Guinéennes. Agnon, problème d'ethnique, on a ça à côté. Ma chérie, il faut appeler la Guinée de demander pardon. De demander pardon, mais arrêtez de parler la langue malinké, soi-disant que ouais, tu veux révolter les malinkés. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que chaque fois que vous faites la vidéo pareille, là, nous, on va sortir vous répondre que c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que les malinkés, non, ils n'ont pas le problème avec une communauté ici. Les malinkés, c'est une communauté super. Ils sont tellement super. Donc, mettez le problème d'ethnique là, à côté. C'est normal de parler la langue malinké. Un bon Guinéen doit parler 4 langues ici en Guinée. C'est normal. Black là. Donc, la justice guinéenne, le message là, c'est pour vous. Si c'est vous qui dites à la famille de dire à le petit ou bien la famille même de demander pardon, si le petit demande pardon et que vous mettez le petit à la libération, nous autres là, on va insulter les élites ici. Donc le petit doit servir l'exemple de la nouvelle génération. Le petit doit être notre Mandela. Voilà, Mumba n'a pas ça, on lui a donné le poste là. Le Mandela de la nouvelle génération. C'est son nom ça. C'est son nom ça. Le Mandela de la nouvelle génération. Donc il doit assumer là-bas. Il doit faire leur sa peine de condamnation là-bas. Tranquillement, le petit doit se reposer là-bas. Mais si la justice vous impose à le petit de demander ici pardon, ora ben nyenye. Wo mengaya abile malama. Ali mana justice ba kanabori kwi. Wo mengaya abile malama. Parce que montangeli whatever, munya mugaru mana feyana. Ese ya geli si ra seju wabana. Alo tande yan to langa me ribebe ki. Enya masoge go. Voyez-y, beau, son beau, ici, gamin, ici, reposé. Donc, ouais, c'est, aura petit pouce, allez, petit ramini, petit rabble, que, ouais, pardon, ou bien, ra famille rabble, ouais, pardon, aura petit tongo, petit rabolo. Au petit rabolo. Mon jeune bille, ma bille, jeune bering, mon combiti, ma réseau, ma hala, mon bé. Et puis, mon moum, yo, combi, ma les élites, les aînés, n'a pas les guinées servies. Parce que nous, on a toujours aimé, respecté, considérer les élites ici. On n'a jamais insulté les élites ici, mais plutôt on a critiqué un système qui veut nous mélanger, qui veut nous mettre dans le conflit. Alkososo nous foule na reboroli, maninke nous forestier na reboroli. C'est ça que nous on a combattu jusqu'à la victoire finale. Donc aujourd'hui la victoire est là et que la justice dit que oui, le petit doit demander pardon à les autres, à Sourika Menerike. Et la petit baigné. Ha! Il n'y a pas qui t'aurait. Amoufala madoume di bedoko fafi. Voilà, donc la famille, maximum de partage. Bien, on y aura ça comme on m'a. Donc, la famille, n'oubliez pas, restez sereins. Car le combat de la Guinée, c'est pour tous les Guinéens. C'est pour tous les Guinéens, surtout le combat de la vérité.